Le 31 donc, de la Saint-Sylvestre, nous avons effectivement la carte faite au choix, avec effectivement une sélection de plats, que ce soit effectivement noble, bien évidemment. Et n'oublions pas les lentilles de la Saint-Sylvestre, que les Italiens qui les aiment beaucoup, c'est effectivement le zampon. Également, nous avons effectivement tous les plats et des combinaisons qui sont tout à fait particuliers, avec effectivement quelques créations, telles que la sphère de la Saint-Sylvestre, que nous avons vu. Enfin, tous des plats qui, effectivement, dans son ensemble, correspondent à un côté festif et surtout la soirée d'Arrêt Léon de l'Italie. Nous avons un duo de sol avec ces petits légumes mijotés. Ensuite, nous avons un filet mignon de veau. Et ensuite, nous avons le dessert, le calendrier, quoi, le dessert traditionnel de fin d'année. Pour le salon de l'Ovu, nous avons, à la mise au bouche, nous avons une noix de Saint-Jacques aux billes de grenade. Ensuite, nous avons un Saint-Pierre avec des légumes arlequins. Nous avons le tournoi avec un sorbet au mar de Provence. Et puis ensuite, on passe à la viande avec un filet de bœuf charolais. Et c'est une petite tartelette de légumes, pareil, parfumée à l'essence de truffe. Et ensuite, nous avons un dessert, nous avons une sphère de chocolat chaud. Qui terminera le repas. Et puis nous avons aussi les fameuses mignardises avec le café qui clôtureront ce repas. Voilà. En souhaitant un bon appétit à toutes les personnes et tous les gens qui auront le plaisir de venir chez nous et qui passeront, je pense, un beau réveillon et qui leur fera un beau souvenir. Et tout ça, la musique, effectivement, est festif, parce que, au Salon de l'Ovu, nous avons un quartet qui, effectivement, c'est une bande musicale où, effectivement, il y a un répertoire international. Ça permettra, effectivement, aux clients de danser. Également, nous avons un magicien et un caricaturiste qui passera à toutes les tables pour faire, effectivement, éventuellement un porté en fonction des souhaits des clients, sans trop gêner et tout, comparativement. Quant à la brasserie, effectivement, dans l'Olo, nous avons l'accueil au départ avec des trios musicaux qui, par la suite, passeront dans la salle et ainsi en terrasse parisienne. Et ça sera tout festif, tout en musique, effectivement, avec des classiques et bien évidemment, les clients, ils apprécieront. À la minuit, nous avons les cotillons habituels et bien évidemment, la soirée continue à la danse. Quand la passe du casino, ça sera plein, puisque chaque année on a des animations extérieures. Nous continuons effectivement le côté festif avec le premier de l'an, où la carte faite au choix, elle est là. Nous avons beaucoup d'Italiens, bien évidemment on a parlé de toutes les spécialités confondues. On reste dans un cadre de noblesse, bien évidemment avec des plats qui sont tout à fait mijotés, moment et tout. Et notamment le 2 de l'an, même si c'est un dimanche, nous mettons quand même en évidence des suggestions qui permettront à la clientèle d'avoir un choix diversifié et surtout, effectivement, de ne pas se retrouver avec la carte de Nouvel An, simplement. Alors, le Café de Paris souhaite une très bonne année à tous nos clients et tous les visiteurs qui sont là et surtout d'apprécier, effectivement, ce que nous préparons et nous souhaitons, effectivement, que tout le monde passe des bons moments, qu'il s'amuse, qu'effectivement, soit un côté agréable, festif, et qui, c'est qu'il y a quelque chose qui restera véritablement emprunté, un bon souvenir par rapport effectivement à cette soirée qui est importante, que ce soit au niveau de la brasserie et au niveau du salon de l'Ovu.